Bonjour YouTube, Daily Run aujourd'hui, donc on a perdu Celdia, on n'est pas dans une streak, on joue le bébé bleu, et ben c'est parti, on va perdre. Nous sommes le 4 octobre. Oh putain, méga Satan, yes. Bébé bleu avec les stats de base, hein, je suppose. Et ça, c'est pourri. Et ben c'est parti. Pam, pam, pam. Putain, je sais. Sérieusement, je me suis pris un dégât sur les pics parce que je marchais pas droit. Oh là là. J'ai évité là quand même. En blind, il me tire quand même dessus. Alors, en blind, c'est juste qu'il fonce pas quoi. Putain, mais le caca là, il s'est pas pris. J'ai même plus d'effort. Hein. C'est déjà perdu. Merde, je pensais qu'il tuait ses petits caca. Ok, bah j'ai plus qu'un demi-cœur parce que je joue très mal. J'ai perdu un cœur contre les piques et deux contre Dingle, c'est un scandale. Je savais que j'aurais pas dû jouer directement en me réveillant, je suis un peu fatigué. C'est pour ça qu'il n'y a pas la cam. Ça, au moins ça fait un cœur. Il y a un tears-up, je crois, en plus. Moins 3, c'est pas dégueu, moins 3. Bon, tu vas le ramasser, ce cœur. Est-ce que ça se trouve, je peux même pas le ramasser lui non plus. Ah, sérieusement, le bon heart il est obligé d'être vide quoi. Putain, j'ai failli refaire la même merde. Quatrième, donc le bon heart est obligé d'être vide aussi. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, ça c'est ça. Et ben on dégage, c'est parti. C'est perdu d'avance, hein. On va le dire maintenant pour aller jusqu'à Mega Satan là. Compliqué. Je vais peut-être tomber sur 12 cœurs bleus. Tiens, il y a un morceau de bureau qui est tombé après. Ok. On va voir, mais bon. Ça, ce serait bien. Si on avait 4 clés et une carte de TP, ce serait vraiment bien. Bah, c'est la grande salle, c'est parti. Dites-moi qu'il y en a plus qu'un parce qu'ils sont chiants à battre dans cette salle là. En plus il monte toujours plus haut. J'ai failli me le prendre. On va espérer que ce soit des bonnes pilules qui tombent. Genre relax. C'est pas vraiment l'idée que je me faisais d'une bonne pilule, relax. Bon bah au moins celui qui est vraiment chiant c'est réglé. Il s'est suicidé devant moi. Ah putain de merde. Et les petites bouches. Ah. Un rocher marqué, j'ai pas de bombe. De la merde. J'aurais peut-être pu garder Verp. Faut avouer. Enfin non, bah du coup Verp, non, je l'avais déjà utilisé, je savais pas ce que c'était. J'ai quand même une excuse. Oui, une bombe, je vais pouvoir me sauver la vie. Enfin, espérons que ce soit ça. Yes. Ça, je le prendrai plus tard. Je me fais toucher deux fois, c'est la baisse. Donc.
prenant pas de risque. Bah, go, hein. Oh, j'entends mon chat qui fait des conneries derrière le canapé. Oh! Ça suffit, hein. Tu sors de là. Voilà. Intenable. Je suis où? Je suis là. Ok. Pff, j'ai vraiment cru que j'allais me la prendre celle en bas là. Quand c'est des tirs en cloche, j'arrive pas tout le temps à lire. Là en blind. Bah, en blind, il saute sur lui-même, c'est bien ce qui me semble. Ok, ça va en blind. C'est pas le plus difficile des boss. Avec de base, ça ne l'est pas. Yes! On va voir ça avant. Ça c'est bien, mais est-ce que ça vaut 3 coeurs alors qu'on est dans la merde? Je ne pense pas. Donc on va se contenter du dégât. 78, c'est très bien. Un objet de dégâts en 2 étages. C'est correct. Correct, c'est le mot. Donc je vais pas faire la salle de... Évidemment, je vais pas faire la salle de challenge. Et on dégage, c'est parti. Un cœur bleu. Pam, 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 voilà. Alors, c'est gentil, mais ça ira, hein, la salle. Oh là là, l'enfer. Heureusement que j'ai du dégât maintenant. Mais quoi? Mais il a peur, pourquoi il me fonce dessus, bordel de merde? Je vais m'énerver là. Putain de jeu de merde! Pourquoi les gens jouent à ce jeu? Il est tout claqué, c'est faux, il est trop bien, mais quand même, jeu de merde! Petite chanson que j'ai écrite. Ok, en plus de ça, je ne sais pas viser, donc je peux pas me permettre d'insulter le jeu si je suis nul. Power Pills, ok. Avec Mom Bottle of Pills, on va jouer pilule. Hein. Il va beaucoup trop... Ok, c'est bon. Yes, mec. Go, hein. Ah mais c'est vert, putain, je suis trop con. Bah, Power Pill, c'est quand même bien. Je verrai si je fais la salle de sacré... La salle de truc. La fameuse salle de truc. Évidemment, les caca argentés qui sont... Les caca argentés, les caca arc-en-ciel qui sont inutiles. Bah, faut pas que je fasse, faut que je fasse ça. Et que j'ai ça. Non, je pensais que ça changeait les sprites en fait, non. Ça a juste fucked up tout. Je pensais que ça pouvait genre créer un... Oh putain, je me le suis pris parce que je suis un con qui me dit je vais attendre à la dernière minute. 33% de chance de Devil Deal, autant dire zéro. Je sais pas pourquoi je suis allé là avant alors qu'il y avait le boss. Voilà, voilà pourquoi. Voilà pourquoi j'y suis allé avant. La réponse est maintenant claire. Ça peut être en bas. Si ça peut être là, c'est que c'est là. Aïe. Si c'est pas là par contre, ça je vais pas être content. Putain, ça y est. Bon, j'arrête de tester les bons. Quand il est blind, il ne fonce pas. Putain de merde quoi, c'est quoi cette hitbox pétée? Faut que je passe au-dessus de lui, sa tête c'est pas une Xbox, c'est son corps la hitbox. Voilà, par exemple là j'étais pas en dessous et ça a pas marché, c'était un test pour vous montrer que ça ne marchait pas. Mais putain, il est censé s'arrêter. Ok. Ok. Ok, je veux bien jouer ça. Non, je fais pas Uriel. Ok, j'accepte pour l'instant ce qui se passe. Ça me va.
Ça me servait plus à rien, mais bon. Je me suis dit, si j'arrive pas à le prendre, c'est pas grave. On t'entend de faire quelque chose de notre vie, là. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait deux trucs. Ok. J'ai plus de bombes. Ça, c'est dommage, par contre. Aïe. Bon, bah, j'ai plus les 11 de dégâts. Aïe, par contre, dès que je me fais toucher, c'est baisé. Faudrait que j'ai un Holy Mantle. Relax. Poop. The poop, the poop, the poop. Bon, moi j'ai de l'argent quoi. Lazarus, qu'est-ce qu'on s'en fout de revenir à Lazarus, je vais pas dépenser une bombe pour ce con. J'en ai pas, et que ça c'est plus important. On s'en fout. Ok, Pride, ça va, voilà. C'est toujours un objet en plus et une chance de. Et une survie hein, si je meurs de manière lamentable. Donc bon. Sérieux, on va pas lui dire non. Hein. Voilà, je reviens en Lazarus. Lazarus ensanglanté si jamais je meurs. Il y a un peu moins de merde là parce qu'il y a une chance que je m'en sorte finalement. C'était très mal barré mais il y a une chance. Deck of cards ça ne sert à rien puisque j'ai bottom of pills. Je pense que je casse lui mais j'ai pas de bombe donc je vais pas le casser. Je vais quand même prendre la carte. Je suis un peu con de l'avoir utilisé maintenant mais... Non, en mode solo même magasin c'est pas aussi essentiel. Ah putain de merde, faut que je fasse d'autres salaires le boss. Les magasins c'est pas aussi essentiel qu'en grid, en mode solo, en mode normal je veux dire. J'ai pas de. Ça me sert à rien, je n'ai pas de truc. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai pris Croc's truc parce que j'ai rien qui fait du creep. Donc, au final le Mysterious Paper au moins pouvait me proc Polaroid ou des trucs comme ça quoi. Donc, je vais aller le chercher. Yes, merci bien. Retro vision. Eh ben c'est bien. On est content d'avoir ça. Non, je vais chercher le Trinket, il était où? Il était où mon... C'est à l'étage d'avant. Dis pas que j'ai laissé à l'étage d'avant alors que ça me sert à rien ça. Je l'ai laissé à l'étage d'avant. Ok, parfait. Non, non, il est... Non, bah c'est le... C'est justement la petite cuillère. Yes! Si j'avais un truc de TP, j'aurais pu le faire ça, mais. Que je me cours pas, oui, c'est là. On dégage, hein. On va faire le boss. Ça se trouve, le boss va me donner un truc pété. J'aurais dû faire Devil Deal, en vrai. J'aurais dû péter le marchand pour avoir plus de chances de Devil Deal ou de Godroom. Mais tant pis. J'espère, si c'est vraiment un truc pété, on peut éventuellement faire l'autre salle. Ah, ok, voilà, c'est réglé. Bon, je me suis fait toucher, je perds mon double dégât. Ouais, c'est pas grave, il a pas de vie celui-là, mais bon. Ah, et je me suis quand même fait toucher avant la fin. On va voir, après, on va voir le Devil Deal avant. On va pas le prendre le Devil Deal. Même s'il y a des trucs bien, je vais rester sur Godroom. Moi j'aime bien les Godroom. Ça on y croit, c'est du délice. Juste moi, un en luck, j'ai perdu un cœur. Sinon j'ai tout qu'augmente, notamment le Tier Raid. Donc ça me va.
J'ai eu le Devil Deal, donc ça sert à rien que je fasse l'autre truc. Si je faisais la salle avec les coffres rouges, c'était pour être TP au Devil Deal. Donc je l'ai déjà eu. Si j'aurais préféré une God Room. Non. Ok, Retrovision, c'est quelque chose dont on se fout un peu. I'm excited aussi, j'aimerais bien avoir PhD là. On va pas se mentir. PhD, ça m'irait. Bon, proc, le glaucoma proc, il a pas envie. Hein. On va se contenter de la jouer normale. Abel, on s'en branle, mais alors royalement, je le prends même pas, en espérant tomber sur un reroll. PhD. Visiblement pas le PhD. Voilà, je pense que le money, le Two of Diamonds, si je l'avais gardé, j'aurais eu peut-être 100 balles. Mais à quoi me servirait 100 balles? Je veux dire, j'ai plus qu'un magasin. Qui n'est peut-être même pas un magasin, on va bien voir. Non, on est bien d'accord, c'est le premier. Bah, je vais faire le boss maintenant. Ça sera réglé. J'ai déjà perdu mon double dégât parce qu'avec Brownie, je ne sais pas éviter les dégâts. On a trop, et trop de trucs partout avec Brownie, c'est un enfer. Oh putain de merde quoi! C'est bien que j'aime pas Brownie, mais au bout d'un moment il suffira de se respecter. Bon, après j'ai un cœur bleu au prochain étage avec le truc en bas là. Super! Allez tiens voilà. Quelle merde! Allez, on va clear tout ça. J'ai perdu beaucoup trop de cœur. Je suis possiblement foutu. Ils sont vachement rapides. À chaque fois, je les évite. Parce que je me dis c'est bon, j'ai le temps. J'ai l'impression même qu'ils sont plus rapides que ceux qui brimstone. Faut que je fasse gaffe. Hop, de la merde. Évidemment que c'est de la merde. Voilà. Ça nous intéresse qu'à moitié hein, cette salle. Hein. On va pas se mentir. Ah, mais merde, je suis con. La range, voilà, ça rappelle cette délicieuse partie d'hier, merci, cette délicieuse partie d'hier. Il peut y avoir déjà des pièces, mais il peut y avoir un cœur bleu éventuellement dans les... Même si c'est rare. Ça on disait non. Hein. On avait dit non, c'est ça. Bah, je sais pas pourquoi je l'ai fait, c'est toujours de la merde. Je me suis dit, allez, il y a un espoir tout de même. Alors je sais plus les groupes. Et donc là c'est ça. Enfin c'est les petits qui sautent, hein, c'est ça. Ah non, c'est maman. Ok, c'est parti, on a rien perdu donc c'est bon. Je tente hein, quand même. J'ai pas eu le Devil Deal quand même. Pandora, ça me va. C'est bien. On va l'utiliser ici, hein, je pense. Parce qu'à l'étage d'après, c'est... J'avais mal calculé. C'est à Womb que c'est très bien. Il me semblait que c'était à celui-là. Tant pis, hein. Moi, ça me va 4 coeurs en vrai. Parce que je pouvais avoir 2 objets de boss, mais ça se trouve, j'avais 2 HP up, quoi. Donc au final, ça faisait moins bien. Alors bah on a plus rien à faire, on va faire ça, on va prendre ça pour avoir un 8ème cœur et on dégage. D'ailleurs ce serait plutôt un 9ème, je ne sais pas compter. C'est pas des groupes de 5, c'est des groupes de 6 cœurs. Allez go. Dernier étage.
classique, on va dire, avant les doubles, avant les doubles dégâts et plus d'items, plus de shop. Yes! Enfin, on en a des biens là. C'est jusqu'où déjà Méga Satan? Je suppose que je choisis entre chest. Ah non, je choisis pas. Je m'étais déjà fait la réflexion. On ne choisit pas. Ok, deuxième bouquin. C'est bien aussi, Bible satanique en vrai. Peut-être garder ça. Hein. Ça dépend ce qu'il y a au magasin. Est-ce qu'il y a le PhD? J'ai dit. Est-ce qu'il y a le PhD? J'ai dit. Est-ce qu'il y a le PhD? Ça, ça me ferait qu'un truc, donc c'est pas fou en vrai. Mais en même temps, l'argent me servira plus. J'ai dit aussi à le PhD. J'ai dit. Ce qui y a le PhD. Stopwatch. Eh bah c'est réglé. Je pense qu'on va continuer avec ça. Hein. Donc dès que je me fais toucher, j'ai plus mon double dégât. Ce qui est quand même un scandale. Mais et pour compenser ça, tout est ralenti. Ça devrait aller parce que j'ai la Satanic Bible. Donc je suis à peu près safe. Tout devrait bien se passer. Putain, mais du coup, comme il est glucomé là, il... En fait, ça avait rien à voir. C'est juste qu'il était très lent et con. Que ce jeu était nul, ce jeu est parfait. Pourquoi les gens ont tendance à critiquer le jeu quand ils sont nuls? Ça, on prendra. Bon, on peut prendre maintenant, ça va tout à gauche. Ça serait quand même pas de chance que je perde tout. Aïe! Là, j'étais perdu, il y avait trop de monde. Je me suis pas occupé des vortex, c'était un enfer. Là là. Impec, un cœur maintenant, hein, comme ça c'est réglé. Ça va remplacer mon cœur noir. Y'a pas une petite salle, y'a une petite salle. On va optimiser, hein. On va optimiser notre charge. Les grandes salles, ça rapporte 2. Peu importe laquelle type de salle, il me semble. Hein. Il me semble que ça peut pas rapporter 4 ou 3. Que ce soit une salle de 2, 3 ou 4, ça me rapportera 2. Ça sera... Ouais non, celui-là il explose. C'est de la merde. Là j'ai rien qui proc ça quoi, donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Voilà, ça, voilà. Voilà, je ne sais pas jouer. Putain, quel connard quoi. Un cœur entier sur cette salle alors que c'était offert. Ça va, y a aucun masque ici, ça devrait aller. Il faut que j'arrive à les toucher tout de même. Voilà. Merci, je suis full life. J'ai pas de bombe, mais on va quand même croire. Hein. On va pouvoir retourner au shop. Une bombe, parfait. Aïe, putain, quel connard. Des bombes encore, on va retourner au shop, hein, encore une fois. Non, putain, je suis un con. Je pense que je me le fais éclater ce cœur. Que j'irai pas dans la curse. Bon, allons d'abord au magasin. On n'aura même pas besoin de ça. 10 pockets, c'est pas dégueu, mais vraiment ça me branle.
C'est les mêmes qui viennent en boucle ou comment ça se passe? Steam Cell, ça ne me sert plus à rien. En plus un, hein, au moins ça me rapportera des bombes et tout ça quoi. Parce que Broken Watch, ça me fait chier. J'ai pas envie d'avoir... d'avoir double... de possiblement avoir... Celle-là c'est Pretty Fly il me semble. Ok. De possiblement avoir accéléré. Je vais faire la curse. Voilà, voilà, c'était bien la curse. Et on va acheter. Il me semble que c'est Pretty Fly, mais je suis pas sûr. Si je me souviens bien, c'est Pretty Fly. Du coup, j'aurai deux Pretty Fly, ce qui serait un petit bonheur. Yes! Je la garde au cas où j'ai Verp. Je la prends pas tout de suite. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis con, j'avais toute ma vie. Non, j'avais un demi-cœur en moins. Ok, ça valait le coup. C'est pas vrai. Mais tant pis, on va faire avec. On s'en fout, mais continuons. Timony Call Power. Alors comme ça, on va savoir qu'est-ce qu'on va devoir faire. Est-ce que le jeu va nous envoyer faire Satan ou Isaac? Je me fais pas toucher. Yes! Ok, c'est Isaac, ça me va. Ça me va parce que j'ai double truc. J'ai un plus un, donc j'aurai pas mal de clés. Ça me va. Scale Womb. Oh putain, si c'est matriarche par contre, le cul. Mais ça, j'ai rien. Mulligan, ça me va. C'est très bien, Mulligan. Ok, j'ai failli me prendre ça. J'ai failli être pas mauvais. C'est une salle normale donc il y aura pas mal. Bah lui c'est celui qui fait ça. J'ai quasiment rien eu un objet de dégâts par contre. Hein. Faut pas se mentir. Toujours de ce côté parce qu'il spawn de l'autre. C'est parti. Cette run devrait bien se passer finalement. Même si c'était loin d'être sûr. Fou tchou 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 tchou. C'est vrai qu'on vole pas encore hein, par contre, ça c'est toujours chiant. La volée c'est toujours un gros problème dans le jeu. Bah remplaçons nos cœurs hein. Ça aura d'autres à foutre et là je peux pas y aller, super, on est content. Je connais la Verb, c'est pour ça que je vais faire péter ça. Parce qu'il y a possiblement Verb et ou Pretty Fly quoi. Donc si j'ai les trois Pretty Fly c'est quand même très glamour. Quasiment intouchable là. C'est pour ça que j'attends une bombe avec impatience, merci. En bas pour le double bombe, si je me souviens bien, il fallait vraiment voler. Ah bah Pretty Fly, voilà, c'est réglé. Et là c'est quoi? C'est relax. Voilà, merci la mouche. Bah, on va pas full clear, hein, parce que c'est les étages où on s'en fout. Ah putain, j'étais trop haut. J'ai vraiment cru que ça passait. Moi j'ai le Polaroid qui s'active. Ah mais faut être au-dessus de The Bloat. Putain, quand il est blind, il tire tout le temps. Oh là là. The Bloat au... Tears up, hein, je pense. Mais je suis à 5 déjà, je pense qu'on va prendre la chiquet du coup. Mais allons voir là avant. Voilà, et tapons un ange. Ça, putain, mais ça suffit d'être con. Ça, au prochain étage,
Comment ça? Ah bah oui, j'ai déjà les trucs. Ah mais du coup, j'étais déjà à 71% de chance, j'ai pas vu, je suis trop con. Bah, latchkey, je pense, hein. Parce que j'ai moins 2 de luck, donc j'aimerais bien avoir un peu plus de luck pour les... Pour les... Je vais full clear, en fait. Un peu plus de luck pour le chest, ce serait bien. Ça, c'est quoi? I'm excited. C'est gentil, mais ça ira. Bombe. Un demi-cœur bleu, super. Si jamais on est très nul, c'est bien. J'aurais bien mis The Wafer là dans les salles de... Ça fait très longtemps que j'ai pas eu Gemini en boss. En même temps, je fais que les daily runs en ce moment et il spawn jamais Gemini en... Ni Steven d'ailleurs. En premier boss. Premier boss, c'est toujours... toujours Pip. Qui c'est que j'ai eu là en premier boss? Je sais même plus. Soit des... Soit Famine, soit Pip. Je sais même plus ce que j'ai eu là. Ah mais il y avait le poupe. Bah c'est mieux que le croûton. Le croûton ça me sert pas. Après le poupe ça a pu me servir là, pour être tout à fait franc. Ah bah sur la dernière salle, bah super. Ah mais il y a deux batteries en fait. Mais celle-là je peux pas l'atteindre, c'est bien ce qui me semblait. Et là ouais voilà, là je ne peux pas. Si j'avais le poupe, ça aurait pu. Bah ouais mais c'est un peu chiant mais bon tant pis, on va faire avec. Enfin après je suis déjà full life mais ça, ça aurait été bien d'avoir... D'avoir deux cœurs en plus au lieu d'un quoi. Ah oui ça ça me sert évidemment, c'est utile. Putain j'ai bougé trop tard parce que je me suis dit j'ai le temps alors que non. Bordel. Pourquoi je fais ça, y'a plus rien d'intéressant. Y'a relax là. Ça c'est pour interrogation. Perks, ok. J'ai le poule, alors allez hein. Parce que la thune c'est utile, c'est faux. Ça ne me sert plus à rien. Je sais même pas pourquoi je la ramasse. Je peux avoir un money equal power, mais bon. Est-ce que ça vaut le coup que je me fasse chier? Pas sûr sûr. Ça, ça vaut le coup que je me fasse chier. Bah non, en fait c'est de la thune, ça vaut pas le coup. Aïe 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 aïe, ça suffit, faut que je fasse attention. Tout à l'heure j'ai fait le... J'ai terminé le premier étage super tranquille, tellement tranquillement. C'était tellement bien. Et là, connard man. Diminue les dégâts par 2. Et on perd un cœur entier parce qu'on est dans les étages de merde. Donc, je suis quand même un con. Hein. Je peux pas trop sentir si c'est Ragman. Pas Ragman, méga... truc méga là, je sais plus son nom. Gablas là, non c'est pas ça. Gablas c'est un objet. Pas Mister Mega, je sais plus. Je sais plus où est-ce qu'on en est. Hein. Bon, allons en bas. On fait les petites salles en premier. J'ai trop vite pour toi. Sac de coin. Allez. Putain, connard, connard. C'est chaud là par contre. Hein. Enfin niveau vie, non ça va, mais c'est chaud de... Et la partie de... devrait bien se passer hein, quand même, n'exagérons rien. Mais c'est chaud d'être autant un con quoi. Quand même.
fou d'avoir les jaunes. Vous pouvez pas me donner un petit bleu clair là? Yes. Heureusement qu'il y a cette salle-là et qu'elle est bien. C'est faux, ça va sans doute être de la merde. Non, ça va. Aïe, pour le cup qui part dans le vent. Arrange, c'est bien. Non, je voulais pas le prendre maintenant. J'étais tellement énervé que j'y suis allé direct, quoi. Verp. Parfait, c'est quoi ça? Non mais je suis trop con putain. Fallait que je verp avant de prendre l'infested pour voir le power pit. Culé, 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 connard, connard, connard. J'ai même plus attention aux salles parce que je voulais prendre les petites avant mais je suis un con. Quand je suis un con, je suis pas content. Super, c'était pour de la merde. Bon, il y a quand même des... C'est quand même bien des bombes, mais bon. Et j'ai foncé dedans. Je me suis pris un petit caca. J'ai pris un petit caca. Alors, faut que je me concentre. Hein. Le jeu me récompense. C'est quand même une grave erreur du jeu de me récompenser pour un jeu aussi... Pour un gameplay aussi médiocre. Faudrait que le jeu me punisse au moins, là. Pour que je comprenne un peu ce qui se passe. Là j'en ai marre moi, je veux finir ces daily runs à la con. Heureusement qu'il y a la secret ici, parce que sinon je serais venu pour rien quoi. Ah oui elle y est vraiment. Ah bah super, elle était bien. Je savais qu'elle pouvait pas être près du boss, donc je me suis dit bon on va tenter. Je sais pas ce que c'est, donc on va pas perdre un cœur pour un truc qu'on ignore. Jamais eu la Balls of Steel, hein, ni la Tears Up. La Tears Up, elle sert à rien, mais elle sert à rien dans ce cas-là, mais elle est quand même bien, cette pilule, on va pas se mentir. Bon, dégage, hein. Ok, c'est dans ce sens-là. Bisous maman. C'est parti. C'est parti pour la cathédrale. Très bonne musique, mais niveau inutile. Je pense que c'est vraiment le niveau le plus inutile du jeu. Enfin, inutile dans le sens où on n'y gagne rien. Ah, bon, bah encore, il y a des objets. Cathédrale, c'est tu te prends un dégât pour que dalle. Là, c'était Darkroom, au moins il y a des trucs. C'est un niveau, si on peut le passer celui-là avec l'Empereur, moi c'est que plaisir. Ça me va d'être con. Steven, ça me va aussi. Petit double monstro. Toujours sympa. Bisous. Maintenant c'est qui? Je sais pas trop où me mettre hein, du coup, moi je sais pas où ils peuvent spawner. Okay. Faut se mettre vraiment dans un des coins en fait. Non. Putain là c'est un miracle qui m'est pas touché. Voilà, salut. Voilà, j'ai 82 balles donc le money et quoi le power c'est. Non money et quoi le power. Le. Je m'en veux pas trop d'avoir utilisé le 2 of Diamonds n'importe quand. Hein. Ah putain, heureusement que j'ai Pretty Fly, j'ai pas compris comment je me suis pas fait toucher là. Merde, j'y ai un peu cru. Je crois qu'il peut quand même y avoir genre des bibliothèques ou des trucs comme ça, donc je vais full clear. Hein. Parce que j'ai pas le bookworm. À un près, j'ai pas le bookworm, voilà, on se remplit le cœur. Okay, je suis de nouveau full life, ça va. Je me suis pas fait toucher encore à cathédrale, ça va. Ça c'est bien de la merde, ces ennemis là ils sont bien chiants. Surtout dans une salle comme ça où
Il y a la moitié de la salle qu'on ne peut pas toucher. C'est le dernier, merci. Non, c'est toujours pas le dernier. Merci. J'aimais bien quand ils étaient à côté parce que s'il y en a un qui fait spawn, voilà, petite saloperie, l'autre peut se le prendre aussi quoi. Hop, un cœur noir en plus. Aïe. Voilà, c'est con hein. C'est con parce que le cœur noir, c'est le truc si je vais utiliser là. Ouais, faut que j'économise maintenant mes cœurs. On s'en fout de se mettre tout en cœur noir. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ah putain de merde quoi! J'ai même plus d'effort visiblement. Putain, dès que je me fais toucher une fois, c'est fini. Les trois prochaines salles, je suis perdu. Après ceux-là, ils sont horribles à éviter. Ce qui tire dans tous les sens avec des homing. Et là, c'est un miracle. Heureusement que j'ai les. Encore une fois, les pretty fly parce que je pense que j'aurais dû me prendre des coups. Putain, ceux-là aussi, c'est chiant. Ça va, il en reste plus qu'un. Merci. Putain de merde. Je sais pourquoi je fais ça. Voilà, pour ça, visiblement. J'ai pas eu le boss encore, oui, oui c'est ça. Je suis en train de dire, je suis en train de full clear, mais c'est que j'ai pas eu le boss, c'est normal que je full clear. Dégage. Ok. Ça va comme dernière salle avant le boss, hein. Tous ces trucs, je ne peux pas les atteindre, et ben on est content, hein. Bah go, c'est parti. Moi, si je me fais toucher là, au moins ça devient vraiment gratuit parce que Isaac en ralenti c'est gratuit. Yes, emballé. C'est pesé, j'adore être un beauf, c'est parti. Dernier étage de chest. Ok, ça c'est pourri. Glucoma, mais je l'ai déjà ça. Ah non, c'est Kane's Mother Eyes. Les deux autres, on va les laisser pour l'instant. Bah, je pense que je vais quand même faire quelques étages. Hein. Quelques salles. Hein. Voilà, comme ça on peut, puisqu'on a moins de luck, en plus on est sûr d'avoir des trucs à chaque fois. Non, ah oui, c'est oui aussi pour me full heal. Ok, donc c'est quand même utile. Je suis en train de me demander si ce que je faisais avait vraiment l'intérêt. Et ça me permet de me full heal, donc oui. Faut juste pas que je me fasse toucher. Ouf, ce qui a failli arriver. Ok, c'est vrai. Quand même des boss bien nuls. Hein. Allez, salut. Vous pouvez pas drop des batteries un peu? Même des objets. Hein. C'est quoi ça? Ça existe les bleus comme ça, bleus malades quoi. C'est nouveau ou bien? Je sais pas ce que c'est. On est content. Hein. Voilà, salut. On va en bas.
Ça fait toucher pour l'instant, je suis content. Putain, oui, j'ai failli me le prendre parce que j'ai hésité à bouger. Hein. Ça me va. Oh putain, j'ai failli ne pas éviter ça. Ok, ça va, toujours pas touché. Ah putain, c'est une double salle, j'ai pas optimisé. Et en plus, je risque de me faire toucher parce que eux, ils vont vite. Putain, merde. Aïe, aïe, aïe. Non, il ne fait pas que vomir quand il est blind, c'est juste que tout à l'heure il était con. Parce que normalement, oui, il saute quand même. Hein. On va en avoir la preuve. Voilà, un de fait. Deux de fait. Le dernier. Putain, je faisais plus attention à lui, fais chier. Pardon pour la saturation, mais je suis en train de réaliser que j'aurais sans doute pas la charge pour faire le combat. Ok, let's go. Bon, par contre, si je me fais toucher là, je me la coupe. On va pas full clear hein, du coup, on va immédiatement. Je pense que dans les trucs comme ça, pour éviter qu'on fonce dans le coffre de bébé bleu et que du coup ça soit la fin, le bébé bleu n'apparaît pas. On doit faire méga Satan parce que là ça m'étonnerait qu'il soit en haut à gauche. Pour moi c'était vraiment le plus logique qu'il soit en bas là. Bébé bleu, donc je pense pas qu'il y ait de bébé bleu. Ou alors après il n'y a pas de coffre, mais ça me paraît très bizarre. Ouais, on va. Non, il n'y a pas de bébé bleu. Vraiment, je voulais vérifier. Si je m'étais fait toucher, par contre, je me serais démonté la gueule. À coup de pilon. J'ai déjà 99 pièces, s'en fout. Bah, on va faire méga Satan. On prend pas ça. On peut les toucher. On peut toucher ça, on s'en fout. C'est parti. Je fais que 14 de dégâts. Hein. C'est vraiment de la merde. Hein. Mais bon, on y croit quand même. Hein. Je tape ses mains. Pas besoin des mains en fait. Envy, ça me va. Je connais pas trop au début à ce Daily Run. Hein. Là je dis ça, je peux encore mourir, mais ça vraiment pas de bon quoi. J'ai failli me prendre sa bombe. On va défoncer lui parce qu'il tire quand même 4 coups. Ah. J'ai encore une fois pas fait attention.
Putain de merde, j'ai voulu l'éviter mais j'ai pas réussi à l'éviter. Au moins ça va, il est ralenti, ça devrait bien se passer du coup. Mais voilà, j'ai plus que 7 de dégâts au lieu de 14. Déjà que 14 c'était compliqué. Si je me colle là, je me prends rien. De toute façon, j'ai le Polar. C'est vrai que j'ai Polaroid en plus. Quand je me fais toucher de l'invincibilité, même si j'ai rien au corps à corps, c'est quand même glamour. Invincibilité. Voilà, reste bloqué, moi ça me va. Je vais casser ses mains en premier. Parce que ses mains, voilà, ça c'est très chiant, les vagues comme ça. Okay. Le méga blast. Tout devrait bien se passer. Ok. Hey, let's go. Voilà, il s'est pris le dégât là. Moi j'ai même pas besoin de bouger en fait puisque ça ne m'attend pas. C'est ridicule. C'est quand même... Hey, la stopwatch est quand même tellement fort. C'est un scandale. Ça m'atteint? Non, ça m'atteignait pas. Ma bombe a disparu. Go, voilà, 46 minutes 2. Ok, 32 000, nous sommes 621e en score et 656e en temps. Mégast en bonus 6666, évidemment, ça me semble logique. Stage bonus 20 000, expansion bonus 13 000, bah, on a full care tous les étages quasiment. Hein. Je suis entre Dinoflo et Saviol. 622e, donc en temps, je suis entre Rano et point d'interrogation. Il y a pas mal qui n'ont pas de nom Steam, ou alors c'est qu'ils ont, c'est peut-être qu'ils n'ont pas activé le fait de pouvoir partager leur truc. Bref. Et ben voilà, c'est parfait, je vais juste voir. Global, le premier 70 000 et moi je suis à quoi, 32 000, voilà, plus du double. Psycho Girl, bravo à toi. Il y a quand même, à partir du moment où on est dans les premiers, il y a des gros écarts, genre voilà, 70 000, ensuite 60 000. 68 000, 67 000, 54 000, 49, tandis que là c'est 32 000, 76, 32 000, 177, 32 000, 177, 32 000, 180. Enfin, voilà, là c'est ridicule quoi. Et ben voilà, donc je mets la tête 2 secondes pour la fin. Des bisous YouTube, j'espère que cette Daily Run t'a plu. Daily Run du 4, tu la verras donc le 6. Voilà, des bisous.